Mon nom, c'est Carole Haché. Ça fait 20 ans que je suis éducatrice et on offre des services aux familles qui ont des enfants. C'est ça, notre organisme, et on offre des services aux familles. Alors, ça tourne un peu autour du développement et aussi des comportements. Si les familles veulent avoir du support au niveau des stratégies, on est là pour ça. Tout genre de familles, des monoparentales, des fois c'est les mamans qui sont seules avec leurs enfants, des fois c'est les pères qui sont seuls avec leurs enfants. On a toutes les formes de famille. Avec la friperie, ce qui nous aide, c'est quand on va avoir des demandes spécifiques. Quand les familles nous demandent quelque chose de précis, soit des bottes, des manteaux d'hiver, on va être capable de les diriger ici, parce que des fois, nous, on en a en main, mais souvent, on n'en a pas quand c'est précis. Donc, ça va vraiment être aidant, là. On va pouvoir les diriger, puis ils vont pouvoir avoir le matériel qu'ils ont besoin plus rapidement. Puis aussi, les familles qui, des fois, ont peut-être besoin du linge, par exemple, mais on va pouvoir les diriger ici pour leur dire qu'ils peuvent venir se servir de la friperie, là. Du linge, surtout pour les enfants, seconde main, en bon état, ça peut vraiment aider les familles qui ont des situations financières plus difficiles. Bien, c'est sûr, ce qu'on peut avoir des vêtements à prix modique, au niveau financier, ça apporte un grand support. Les familles qui ont déjà un défi au niveau financier, surtout là, avec le coût de la vie qui a augmenté, j'ai l'impression que ça va vraiment, vraiment aider là, dans ces moments ici. Là. Nous, c'est vraiment l'important de répondre aux besoins des familles. Donc, c'est ça, si la friperie peut continuer d'avoir des bénévoles et des dons, ça serait vraiment aidant pour la communauté parce que ça permettrait de continuer justement à offrir aux gens qui sont dans le besoin. Je donne pour la vitalité de mon Église.